Donc, on s'est arrêté faire le niveau. Le qu'il a blé, je vois là l'erreur, les canadiens là, c'est-à-dire là il y a des erreurs. Qui on a vu la ligne 10, on s'est rendu compte que quand on a là il y a T2, quand comme ça. Bien sûr, c'est pas la taille qu'on veut modifier. On veut modifier le P2 là. Je vais nous aider le 0 au début. On le laisse là, la fin de l'autre classe de l'ancien P2. Donc là il y a la même chose. P1, c'est P1 qu'il fallait lui rajouter des zéros au début. Donc, c'est comme ça qu'on lui rajoute des zéros au début. Bien sûr, là, on a des points-virgules. Les points-virgules, ils vont servir juste à ne pas afficher le résultat de l'instruction. Ça, c'est propre à MATLAB. C'est-à-dire, on peut ne pas mettre le point-virgule, mais il va afficher les instructions. CTRL-S. On a eu l'appel de la somme des deux polynômes. Regardez là, la somme des deux polynômes. Donc, je vous le 4, on va dire que je suis malé. Il a sommé le 5 avec le 2, 7, le 3 moins le moins 1, c'est le 2. Si on a accès à ça, on a un plus grand. Donc, moins 4, moins 20 par exemple. Donc, on a un plus grand, 5 par exemple. Où est-ce que sera? Moins 2, moins 3, il va les garder parce que Z est des 0. On va dire qu'on a moins 3, moins 2. On va dire qu'on a moins 4 et moins 4, c'est 0. Moins 20 et plus 5, c'est 15. 5 et moins 1, c'est 4. D'accord? Donc, ça, c'était la deuxième question. Donc, on a la première question. On a la deuxième question. Donc là, on chauffe la suite de l'exercice. On va écrire un script. À quelle heure normalement on termine? Parce que on est directement dans la séance de TP. Parce que j'ai commencé le TP. Donc normalement on termine à 10h20 à 11h20. On va commencer à 11h30 jusqu'à 12h30. Très bien. Très bien. Donc, écrire un script qui permet de lire deux polynômes, d'accord, P1 et P2. On suppose que leur degré est inférieur ou égal à 3, puis de 4.